Eh bien, salut tout le monde, c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, épisode 4, je crois, si je dis pas de bêtises, de la survie Minecraft. Alors, j'ai commencé à faire un truc, je sais pas si c'est stylé, j'ai commencé, hein, c'est pas du tout... Mais voilà, j'ai fait, j'ai englouti ma maison, comme ça fait un peu la maison du Hobbit, un peu dans le Seigneur des Anneaux. Des Anneaux, d'accord, y a plus de respect pour la langue française. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que vous allez aimer ce petit design, comme ça, je trouve c'est stylé. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner, parce qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent la chaîne qui sont pas encore abonnés. Donc si tu fais partie de ces personnes, n'hésite pas, voilà, ça prend 2 secondes, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification, tu partages la chaîne pour que d'autres gens fassent la même chose. Et ben voilà, hein, tout simplement, allez, bon visionnage. Du coup, ouais, comme je le disais, c'est pas du tout fini, il y aura des améliorations, mais voilà, pour l'instant, je trouve que c'est stylé. Alors, du coup, j'ai pas mal amélioré, j'ai un peu farmé, tu me laisses parler, la vache. Du coup, ouais, comme je disais, j'ai un peu farmé hors cam. Mais j'ai pas farmé tout ce qui est minerai, tout ça. J'ai vraiment farmé la terre. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai farmé. J'ai mis des vitres également. Au-dessus, bah, j'ai posé les champignons que j'avais trouvés dans le Nether. Et donc voilà. Sinon, il n'y a pas trop d'autres modifications. Et voilà. Donc je pense que maintenant, ce qu'il nous reste à faire, je pense que ça va être de farm les. Je pense que ça va être de farm les œils de l'Ender pour trouver le Stronghold. Et voilà, bon, c'est parti. Déjà, on va faire une petite sieste et on va se retrouver le lendemain. Hop, ok, nickel. Alors, faudrait que je crée un coffre. Déjà, on va se faire des sticks. C'est quoi que je voulais? C'est une hache. Ah, mais j'en ai déjà une. Bon, c'est pas grave, j'aurai des sticks au moins. On va aller se couper du bois. On va laisser faire un petit coffre. What? L'arbre il a des pop ici. On va aller du coup. Alors qu'on va faire c'est qu'on va déjà casser cet arbre en entier. Je suis pas assez haut. Je suis pas assez haut. Alors là-bas j'ai vu qu'il y avait un zombie. Il a un casque du coup il brûle pas. Ok. Alors. Hop, on va casser. On va casser un max de bois. Ouais, on n'éteint pas, c'est bon. Ok. On va casser un maximum parce qu'il va falloir qu'on replante des arbres. J'aimerais bien même mettre un arbre ou deux sur la maison, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal, ça pourrait faire stylé. Alors, déjà on va en mettre un juste là. Et on va en rajouter un au-dessus de la maison qu'on va poser ici. Ouais. Non, on va le mettre centré ici. Voilà, en espérant que ça pousse rapidement. Quoique, on peut se faire de la bonne mille. Je sais qu'on a des os. Et après on pourra aller miner, on pourra aller farm les œils de l'Ender. Alors du coup attendez, on va se faire chaque chose en son temps, on va se faire déjà des petits coffres qu'on va venir poser juste là. Bon là j'ai mis un bloc de quartz, ici je sais pas pourquoi il y a un bloc de bois. Voilà, ici on va poser nos petites roses qui sont inutiles pour l'instant. Hop, voilà, le briquet, en vrai le briquet on n'a pas besoin. La pelle, on la garde, c'est toujours utile, là où on peut la poser. Le bois, je vais le garder pour après. Carte de localisation, je vais la prendre dans mes mains parce que... Et le reste, on va se faire du bois. Il va falloir qu'on se fasse un sol aussi. Ça, je pense, je le ferai hors vidéo. Je le ferai hors caméra pour pas perdre de temps. Juste, je vais faire ça déjà. Je vais faire autour de la fontaine pour que ça fasse propre. Et hop. Et juste en bas aussi. Voilà, comme ça on a déjà une petite partie qui est faite et ça fait vachement plus propre. Pareil au niveau de la porte, je pense. On va faire ça. Hop là. Voilà, on a notre petite entrée comme ça. Voilà, donc c'est tout joli pour l'instant. On va poser nos lingots de fer. Ah, les lingots de fer. On va peut-être se faire une enclume. Ça pourrait être utile. Une enclume, une enclume. Il faut quoi pour une enclume? Il me faut 3 blocs de métal, mais c'est des malades. C'est des malades. 3 blocs, c'est énorme. En vrai, ça va aller vite si on farme le métal à fond. Table de forge, ça je sais, je crois qu'il en faut une
Faire de la netherite. Ouais. Il en faut pour faire de la netherite. Il faut mettre les lingots ici et là faut mettre autre chose. Il faut mettre un truc de netherite. Bref, on verra. Bref, on va poser le fer là. Avec nos diamants, avec tout le reste. Et oh, il n'y a pas de la nourriture ici. Ok. Bon, mais je pense qu'on est parti. On est paré pour l'aventure. On va aller dans le nether du coup. On va aller tuer quelques Undermans. De manière à avoir les perles de l'Ender. Et après, il faudra qu'on tue des Blaze. Alors, les Blaze, il faudrait trouver une forteresse. Ça serait beaucoup mieux pour farm les. Enfin, ça, je crois que c'est même primordial. On est obligé d'avoir des Blaze pour farm les bâtons de feu. Ok. Hello. Ok, je lui ai donné. Qu'est-ce qu'il en fait? Oh! C'est quoi? Roche noire. Bon, je sais pas ce que ça fait la roche noire, mais. Bref. Je sais pas s'il nous drop des loots différents ou si. Ou si c'est tous pareil. Je pense que c'est tous pareil. Je sais pas du tout à quoi ça sert la roche noire, mais. En tout cas. En tout cas, il m'en donne quoi. Du coup, on va se balader. Alors, on va mettre des repères. On va se mettre des repères parce que sinon on va se perdre dans le nether. Ça c'est quoi comme terre? Oh, j'ai enlevé mon casque. On peut pas la récolter la terre. On va prendre des champignons parce que on pourra faire des bols de champignons ou des élevages de champignons, comme ça on aura de la nourriture un peu en illimité. Hop, petit repère. En espérant qu'on le perde pas celui-là. Oula, il a l'air un peu hostile celui-là. Oulala. Oulala, il a pas de recul, il a pas de recul. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils me font très peur. Pourquoi ils me donnent des loots différents? Il me donne des. Oh, ils m'ont donné briques du Nether. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Obsidienne pleureuse. Oh, il me drop tellement de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Du gravier, on s'en fout un peu. On va tout leur donner. Ils vont nous mettre bien. Ils ont même donné une salve de feu. C'est pas. Oh, livre enchante, c'est quoi? What? Aïe, aïe. On va s'en aller parce que on va se faire tuer quand même. Agilité des âmes. Je sais pas du tout ce que c'est, ça doit être un livre de la mise à jour. Je l'ai jamais vu celui-là. Continuons notre recherche des forteresses. Oula oula! Ils ont pas de recul en plus, c'est horrible. Allez, barre-toi. Voilà, crève. En plus ils nous donnent vraiment beaucoup de viande de cochon. En même temps c'est des gros cochons, c'est un peu des gros sangliers même. On va essayer de pas se perdre du coup comme je vous l'ai dit précédemment parce que là si on se perd on va jamais revenir tout simplement. On aurait peut-être dû prendre obsidienne pleureuse, mais attendez mais obsidienne pleureuse ça sert à quoi? J'allais dire on peut peut-être construire un portail d'obsidienne pleureuse. Je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup. Toujours pas l'air d'avoir beaucoup d'or. Oh, il y a un cochon zombie ici. Non, laissez-moi partir. Aïe. Aïe. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Ok. Wow, on va pas tomber ici. Ok, on saute. Ouf, ça fait mal. Ça fait mal, mais on tient. Pourquoi il y a un squelette là? Pourquoi il y a plein de squelettes partout? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pas envie d'y aller. Prendre du sable des âmes un peu. C'est quoi ça? Terre des âmes. Ah c'est même pas du sable des âmes, c'est de la terre des âmes. Prendre un peu de sable des âmes quand même. Ça peut nous être utile. Mais ils nous attaquent pas. Oh, ils m'attaquaient pas parce que j'étais en sneak. Là je suis plus en sneak. On va se barrer. Oh, il y a un Enderman. Ça c'est bien. Ouais, oh, c'est quoi tous les zombies là-bas? Une forteresse? Je crois qu'il y a une forteresse là.
Oh non, c'est pas une forteresse, j'ai le seum. Bon. Non, j'ai perdu mon underpair là. Oh, il est là-bas. Il y en a un là. Allez, viens sur moi, mon gars. Pourquoi il despawn mes Enderman? Tombe en bas. Oh, aïe! Je suis où là? C'est vraiment dur le Nether quand même. Alors qu'on rentre dans le monde normal. Ok. Allez. On va y arriver les amis, vous inquiétez pas. Sérieusement, je tape deux Enderman. Les deux ils despawn. Je sais pas où ils sont partis mais. Aïe. Allez, attaquez-les. Il attaque tous. Let's go. C'est bien ça. On aurait une petite armée comme ça qui nous défend. Alors là, il y a du feu bleu. Je crois pas qu'on peut en faire grand chose. Laisse-moi tranquille, le ghast là-haut. Il va me tuer. Aïe 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 aïe. Oh, j'ai failli sauter. Là je saute, je meurs je pense. Enfin, non, je meurs pas mais je perds beaucoup de vie quand même. Arrêtez de faire des. Mais ils font tellement des bruits bizarres les ghasts là. Horrible. Ok vite, on se barre. Allez. Oh shit. Dans le territoire des squelettes là. Chaud. C'est quoi ça déjà? Basalte. Je crois. Non, ça on peut rien en faire. Là-bas il y a un Enderman. Allez, viens sur moi, viens sur moi. Vas-y, je t'attends. Aïe aïe aïe. Ok, il a rien drop. Vite, faut se barrer. Ok, on va dead, on va dead. Oh, j'ai un cœur les amis, j'ai un cœur, vite. Je me prends une flèche, je me prends quoi que ce soit, je suis mort. Ok, on est bien. On est bien, mais on n'est pas bien la fois. On va remonter à la surface. Et là, faut repartir dans le monde normal. Mais j'aurais jamais pensé que ça serait aussi dur le Nether. Quoi? Non, j'ai regardé l'Underman. Ah non, c'est bon. Allez, viens. Il est tombé? Je vais le tuer, je m'en fous. Oh non, j'ai un cœur! J'ai un cœur, les amis. Là, c'est très très tendu. Oh, oh, on l'a eu. On l'a eu. On n'a pas fait tout ça pour rien. C'est tellement chaud. C'est très très chaud là les amis. Je vous avoue que là, on a failli y passer. Allez, on s'en va. C'est chaud de farmer l'Underman. Enfin, en soi c'est pas chaud. Mais s'il n'y avait pas les ghasts et les squelettes partout, ce serait déjà un peu plus facile. Allez, tire-moi dessus, vas-y. Je t'en prie. Aïe. Non. Bon, mon coup a raté.
Par contre, faudrait peut-être qu'il s'éteigne mon personnage. Ok. Non, non. C'est fou ça, ils veulent tous me tuer. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Alors là, pour retrouver notre chemin, ça va être chaud, hein. Je vous dis que. Je vous le dis, là, ça va être tendu. On a plus de bouffe. Si on a encore de la bouffe. Très très tendu là, très tendu. À tout moment, il y a un truc qui se passe mal et on meurt. Déjà, c'est pas passé loin plusieurs fois. Ok, on retrouve nos potes les Ziglins là, ou les Piglins ou les je sais pas quoi. Ok, là-bas il y a mon repère. Ok, il y a mon petit repère. Après, je crois que je suis arrivé de là, non? Je me souviens pas du tout par où je suis passé. Là, quand j'apparais, je suis dans un biome comme ça, donc. Déjà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il me semble qu'on avait descendu un truc, donc on va remonter. Peut-être que je note les coordonnées un jour, ça serait bien. What? What? Oh! Je suis mort. Oh là là. Attention. Ou lui. Lui, je vais me le faire, lui. Lui, il m'énerve déjà. Ok, c'est bon, il est mort lui. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ok, nice. Maintenant, le monstre là. C'est quoi ça, ce monstre? Qu'est-ce qu'on en fait de ce monstre? Ah, je crois qu'avec une selle, on peut monter dessus. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble que l'on peut. Peur parce qu'à tout moment, je monte dessus, il m'éjecte et je tombe dans la lave. On va faire très attention dans nos mouvements. Tu veux quoi? Tu veux du... Pas de cochon. Peut-être des racines karma. Non, il a eu peur. Bon, je sais pas. On va repartir dans le monde normal parce que là j'ai très peur ici. Il se passe des dingueries. Ok, il fait nuit ici. Ou alors c'est le matin, je sais pas. J'arrive pas bien à différencier. Ok. On peut se faire quoi? Dalle de roche noire. Roche noire taillée. Je sais pas à quoi ça sert, mais ouais. Bloc de briques du Nether. Ok, déjà on va safe notre underpearl. Déjà on a notre underpearl. On n'a toujours pas trouvé de blaze. C'est chaud. C'est chaud. Je pense que va falloir que je farm hors caméra. Que je me fasse assez pour craft un portail d'obsidienne. Un portail du Nether quoi. Ouais, je pense que ça va être le meilleur moyen. Alors, est-ce qu'on peut se faire un piston? La grande question. Qu'est-ce qu'il faut pour un piston? Piston, 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 piston. Piston comme ça. Il me faut. Ok, il faut juste de la cobble et un peu de métal. Ok. On va faire un piston. Où est mon fer? Où est mon métal? Quoi? Fer? Ah, si, là. Pourquoi il y a un. Pourquoi il y a. Monsieur, c'est une propriété privée, veuillez partir s'il vous plaît. Ah! Laisse-moi tranquille! M'en fous, je vais devoir le battre. What the fuck? Ce bordel. Oh, y'a un lama. Mais. Elle me crachait dessus? Le gars me crache dessus. J'ai plus aucun respect. Le gars arrive. Il me crache dessus. Non mais, inadmissible. Je suis chez moi. On me crache dessus. Non mais là. C'est le pompon. Donc, il me faut de la cobble. De la cobblestone. Pas vu, j'avais du porc ici. On a plus de bouffe quoi.
Ok. Donc, je disais, il me faut de la cobble. Tac. Ouais, je casse de la terre avec une pioche. Et alors, il y a quoi maintenant? Du coup, alors, je vais aller voir si ça a commencé à bien pousser au-dessus. Ouais, il y a un bloc d'herbe ici, ça c'est très prometteur, ça veut dire que ça va se propager partout. Ensuite, est-ce que l'arbre là-bas il a poussé? Non, ok. Peut-être un peu de temps. Donc, maintenant qu'on a tout, on va se faire un piston. Juste là. Et on va également se faire un bloc de redstone. Là, vous allez me dire, mais Obi-Jawa, pourquoi fais-tu ça? Eh bien, vous allez voir, les amis, c'est très simple. Avec un piston et un composteur, on est censé pouvoir faire un glitch d'X-ray. On va pouvoir voir à travers toute la map. Donc, on va essayer de le faire. Si ça marche pas, ben j'ai le seum. Je vous le dis direct. J'aurai le seum, mais je pense que ça va marcher. On va creuser comme ça. On va creuser, on va creuser. Il y a du métal, on le prend pas. J'ai des torches sur moi parce que si j'ai pas de torche, j'ai le seum. Si j'ai pas de torche, j'ai le seum. On va faire une torche en redstone, c'est pas grave. Ok. Donc maintenant, il faut mettre le compost. On va le casser, on va le mettre ailleurs. J'ai eu peur un instant de le casser définitivement. Donc, faut se mettre dans le compost. Hop. Là normalement on est censé pouvoir X-ray. Non, me dites pas que ça a été patch. Ne me dites pas ça à moi. Pauvre de moi. Pauvre de moi. J'espère que ça a pas dû être patch, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, non. Non, pas comme ça. Bon mais j'ai le seum. On va devoir trouver le stronghold manuellement par nous-mêmes. On a construit ce piston pour rien, on a construit ce bloc de redstone pour rien aussi. On va condamner cet endroit, je ne veux plus en entendre parler. Ça remue trop de mauvais souvenirs. Ok. Retour à notre belle maison. On va mettre un compost. Juste là. Pas des trucs achetés là? Voilà, champignons. Ah mince, je voulais les planter. Bon, ça me saoule. Je vais m'en aller d'ici. Hop. Du coup, on a notre viande. Maintenant, est-ce qu'on a de la viande à faire cuire juste là? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ici non plus. Du coup, ce qu'on va faire. On va poser déjà notre basalte. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que si je fais ça. On a quelques matériaux en plus. C'est pas mal. Alors, ce qu'on peut aller faire, c'est qu'on peut aller miner un max de métal. Max de fer plutôt. Oh, il y a un marchand. Alors, qu'est-ce qu'il nous échange? Oh, il échange. C'est claqué un peu un marchand. On n'a pas de torche, toujours pas. Pas du charbon là. Et on en a vu là. Un max de charbon, on va se faire quelques torches. Hop. Et on va se faire un max de torches comme je le disais. En espérant pouvoir en faire un max. Bien entendu. On va s'en faire 12. Je pense que ça suffira pour aller miner du fer. On va pas miner du diamant ou de l'émeraude non plus. L'émeraude, en vrai, c'est pas très rentable d'aller en miner. Je vous conseille pas. L'émeraude, voilà, si vous en voulez, je vous conseille d'aller directement l'échanger avec des PNJ. Mince, on va dans le mauvais sens. Les cavernes sont par là-bas. Allons-y. Oh, un beau petit filon.
continue même en haut. On en a combien? 20. Allez, plus que 5. Vous voyez, ça va vite. Ça va très vite. Et avec ça, normalement, on pourra se faire notre enclume. Bon, je vais en prendre 30 au cas où. Je pense que 30, ça devrait suffire. Oula, il y a beaucoup de gravier. On va éviter de les toucher parce que là, si on les touche, on meurt instantanément. On va faire la technique du pauvre. J'ai posé la torche, elle n'éclairait pas. J'étais là, bon, mais... C'est la fin. C'est la fin. Oh, on a un joli petit filon là. Hop. Et on est à oh, ouais, 29. Je pense que ça suffira. Bon, allez, on va faire le 30 quand même. Je vous l'avais dit. On va respecter notre parole. Oh, mais tiens, on sort par là. Est-ce qu'on a du métal ici? Non. Non, mais de toute façon, on est sorti. Oh! Mais pourquoi tant de peur dans ce jeu? Bon, mais en plus, on a notre arme, voilà. Et c'était. C'était une peur, un mal pour un bien, quoi. Ok. On s'en va maintenant, une bonne fois pour toutes. Maintenant, vous allez me laisser partir d'ici. Avec notre escalier biscornu, là. Hop. Oui, j'ai quand même utilisé le mot biscornu, vous allez remarquer ça. Je suis un peu une vieille personne, ouais, on peut le dire. On peut dire que je suis quelqu'un d'assez âgé. Du coup, on va manger parce qu'on s'est fait pas mal de bouffe. Je l'ai pas vu, j'ai vraiment trop de bouffe. Regardez, elle est vraiment pas mal, je trouve, elle rend bien. En plus, notre petite arbre, il a poussé, là, ça rend super stylé. Ça rend... Non, mais là... Là, c'est trop. Quoi? Ah oui, il est invisible, le marchand. J'étais là, quoi? Il y a des lamas qui sont tenus par une selle volante. Du coup, on va tout faire cuire. Hop. Oh, ça va prendre du temps, ça. Ah oui, ça va prendre un max de temps. Je vais mettre tout ça là. Ah ouais, ça va prendre trop de temps. Ah, ça va être super long. Bon, je pense que déjà on va dormir. Et déjà on a une bonne vidéo pour l'instant, elle est assez conséquente. Ok. Franchement, on a un bon petit stuff, hein. Ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est assez bien pour l'instant. Hop, 7, on a 7 lingots de fer, on est plutôt pas mal. Alors ici, est-ce que ça pousse doucement, mais voilà, ça pousse, ça se propage l'herbe. Moi il me tarde de voir quand ça aura tout bien recouvert là, que ce sera vraiment bien beau. Attendre de quartz comme si c'était fait. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire un petit système assez sympa. Est-ce qu'on peut faire un entonnoir? Un entonnoir, j'ai pas parlé. Entonnoir, c'est quoi? C'est que du métal et un coffre. Ah, oh, ouais, j'aurais pas assez parce que moi, si je prends du métal, ouais, non, ça ira. On va pas en prendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un système de couper les cannes à sucre automatiquement, mais directement chez nous. On va prendre un petit bloc de sable comme ça. Voilà. On va prendre un petit bloc de sable et on va le poser juste au-dessus. On va le poser ici. Alors, va falloir qu'on fasse un pilier. Allez, laissez-moi passer ici. Hop. Ok. Et là, notre petite canne à sucre. Voilà, nickel. Maintenant qu'on a notre canne à sucre, on va faire un petit truc là. Parce que dessous sinon ça va faire un peu moche. Voilà.
Ici, on va mettre ça. Non, on va faire l'inverse. Ici, on va mettre l'observer block dans l'autre sens, bien entendu. J'ai pas de cobble. Est-ce que ça choque ici ou pas? En soi, ça choque pas spécialement. On va prendre de la roche noire. On va prendre ça, ça peut être pas mal. On va faire un petit chemin comme ça. Mais il faut qu'on passe comme ça aussi. Ça devient compliqué tout ça. Bon, on améliorera l'esthétique après, on s'en fiche. Bon, pour faire le système comme je veux qu'il soit. Vous savez quoi? Nos respects au point où on en est. Hop, voilà. Non, je l'ai cassé. On va reprendre notre OU. Et on va refaire. Attendez quoi? J'ai pas repris ma OU là à l'instant? Voilà, j'ai repris ma OU. Hop. Et là, je vais replanter les graines que j'ai cassées. Hop, on va en planter un peu plus même. Donc on en a un peu plus. Le blé on le garde, ça on le garde. Et voilà, on a notre petit système juste ici. Qu'on améliorera en niveau esthétique, on s'en fiche un peu comme je vous l'ai dit. Et voilà, et donc là normalement, si... Oula! Oula! Falloir mettre un répéteur ici. Non, même pas, je sais pas comment on va faire. Non, en soi, c'est pas compliqué, je suis bête. Je suis juste bête. Vous pouvez mettre dans les commentaires, il est bête. Non, non, mettez pas ça, s'il vous plaît. Après, je vais pleurer. Du coup. Comme ça. Simplement comme ça. Ça évite de faire tout ça, là, tous ces trucs moches. Nickel. Et donc là. Il faut quand même monter. Ah mais non. Non, faut les inverser. C'est compliqué tout ça, hein. C'est que là. Là, leur cerveau doivent brûler. Ok. Donc, revenons à nos moutons. On a notre truc juste là. D'après mes calculs. Comment ça? Comment ça? Compliqué ça. Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Oh là là, je suis vraiment un boulet. Donc là, il faut faire ça. Hop. Et là, normalement, d'après mes calculs scientifiques. Et voilà. En plus, ça nous pousse dans le droit chemin. Du coup, on a tous nos blocs, donc on va pouvoir faire 1, 2. Quoi? Ok, on a notre enclume. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Du coup, notre enclume, on va la poser là. On s'en fiche. On va là du coup on peut. Non, on peut pas. Agilité des âmes. Peut-être pour une armure ça, non? Ah, c'est pour des bottes. Agilité des âmes. Ah, je sais pourquoi c'est. Ça c'est pour. Ok, j'ai capté. On le mettra plus tard ce livre.
On le mettra plus tard. Les livres, on va les garder, on va les mettre sur l'armure en diams ou en netherite, je sais pas, on verra. Donc l'agilité des âmes, je pense, c'est pour courir plus vite sur le sable des âmes qui normalement nous ralentit. Puissance, on peut la mettre maintenant. Protection contre les explosions, on la mettra plus tard. Puissance du coup, puissance combien? Puissance 1. Ah non, ça c'est pour l'arc. Oh, je suis vraiment bête. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Il était un peu long, mais en vrai, ça va. Du coup, j'arrive plus à parler. Je n'ai plus de phrase. Et d'accord, je ne dis plus rien. Ça n'a pas de sens. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas votre petit pouce bleu, le petit like des familles, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Mettez pourquoi pas un petit commentaire dans lequel vous me dites un défi pour le prochain épisode. C'était Obijawa, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.